Ah, c'est pas comme chez vous, mais on y est presque. Hein. Bonjour, monsieur Apple. Bonjour, monsieur La Pomme. Donc, Bonjour, monsieur me Tfer. voici. Je voulais faire cette vidéo pour m'adresser à vous. Parce que je trouve que, certes, votre smartphone ou portable ou j'en sais rien, et c'est vrai qu'il est sécurisant, mais il est frustrant en même temps pour ceux qui sont honnêtes. Donc je m'explique. Moi, ce iPhone, je l'ai acheté sur Internet honnêtement, bien sûr, spécifiquement sur le Bon Coin, chez un particulier. Donc voilà. J'ai le numéro de la transaction que j'ai payé, honnêtement, comme si, voilà. Bah, il fonctionnait depuis un an. Je l'ai acheté en 2021. Donc voilà. Et quand mon fils a oublié le mot de passe, donc bien sûr, j'ai réglé le problème puisque qui est l'iPhone. Donc du coup, ça nous donne ça. Donc voilà, j'étais contente parce que je me suis dit j'ai réussi et tout. Ensuite, on allume et ça nous donne ça. Donc ok, voilà, on met la France, etc. Et puis après, on nous demande démarrage rapide. Donc on est obligé de configurer. Bon, ça c'est machin, ça c'est le Wi-Fi. Je vais mettre pour l'instant ça. Et je me suis connecté. Alors, attendez, parce que j'entends pas le bip. Non. Non, je le vois pas du tout. Alors, j'ai changé de câble. Donc là, on a entendu le bip. Alors du coup, alors connectez-vous à Tunis, 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 est-ce qu'il est encore sur le cloud? Cloud, cloud. Non, alors attendez. Alors si, on m'a dit de me connecter à Tunis, donc voilà, ça c'était la page justement. Ah, vous voyez ce que ça donne, voilà, ça donne tout de suite ça. Donc là, moi j'ai voilà, et vous voyez ce que ça me demande. Alors ça c'est voilà, on a déchargé. Alors j'ai mis l'identifiant Apple que j'avais auparavant. Alors voilà, ça me donne l'identifiant Apple, le mien ne peut pas déverrouiller cet iPhone. Donc c'est ce qui a marqué en gros. Donc c'est ça mon problème. Alors je n'ai pas de solution. Ce serait bien si on pouvait me trouver une solution. Voilà, parce que moi qu'est-ce que je vais en faire maintenant? Voilà, et moi je l'ai pas volé le iPhone. Donc voilà, il faut trouver une solution pour les gens honnêtes. Et là, franchement, moi, je peux pas. Et en plus, j'ai essayé de recontacter celui chez qui je l'ai acheté. Il m'a dit oui. Moi, voilà, je connais pas. Je connais pas. Voilà, maintenant, je me trouve avec un iPhone inutilisable, bloqué de chez le propriétaire, le premier propriétaire, puisque c'est son adresse mail et son mot de passe qu'il faut rentrer. Donc voilà quoi. Donc moi, je suis perdante dans l'affaire, quoi. Donc, c'est pour ça que ça ne me donne pas envie d'en acheter. On a un problème, quoi. Il faut satisfaire tout le monde. Et je m'adresse à vous. Dites-moi, qu'est-ce que je vais faire maintenant de ce téléphone? Qu'est-ce que je vais en faire? Moi, j'ai payé. J'ai oublié. Enfin, mon fils a oublié le mot de passe. J'ai réussi à débloquer l'iPhone. Mais il me redemande l'adresse mail et le mot de passe du propriétaire.
Alors que c'est moi le propriétaire. Il me demande le mot de passe, l'adresse mail Apple, non, l'identifiant Apple du propriétaire. Alors que je suis propriétaire, moi je n'ai pas volé moi le portable. Donc pourquoi on me demande de. Voilà quoi. C'est juste pour vous dire que franchement, voilà, c'est encore, il faut encore travailler encore votre truc, quoi. Voilà quoi. D'accord, la sécurité machin, mais. Voilà, si maintenant tout le monde se retrouve dans la même situation que moi, voilà. Hein. Voilà, bah écoutez, moi je, pour ma part, j'espère que vous allez me répondre, que vous allez me trouver une solution. Hein, donc, monsieur la pomme. Donc, voilà, ces pommes-là sont, comme vous voyez, ces pommes-là, comme votre pomme, hein, elles sont. Elle est bien, elle est très bien, mais vous voyez, dans chaque pomme, il y a toujours des petits défauts. Et c'est ce qu'il y a aussi dans votre règlement. Dans votre sécurité, dans les sécurités, et voilà, il y a des trucs qui vont pas. Peut-être qu'ils vous vendent à vous, mais il va falloir revoir un petit peu, hein. Voilà, vous restez sur la sécurité actuelle des iPhones. Je ne vous dis pas ce que vous allez faire, quoi. Moi, c'est des petites suggestions que je vous donne. Mais il faut satisfaire tout le monde. Il faut pas juste satisfaire ceux. Ah ben voilà, sécurité, machin. Non, bah oui, bah écoutez, voilà quoi. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que Monsieur Apple va me répondre et va me donner une solution pour récupérer mon portable ou qu'il me l'achète, hein, pourquoi pas. Donc voilà, moi j'ai la transaction de ce iPhone-là. Donc voilà. Bah écoutez, j'attends de vos nouvelles, hein, Monsieur Apple, la pomme. Oh, c'est pas comme chez vous, mais on y est presque. Allez, à bientôt, monsieur Apple.